C'est quoi ta barre blanche ? Bonjour à tous, bienvenue en ce dimanche à Fleury-la-Rivière pour le match qui nous réunit contre les Saint-Martin sur le Pré. Voilà. Nous avons David qui est remplaçant en première mi-temps et qui voulait s'exprimer à propos du premier quart d'heure de jeu. Qu'est-ce que vous en pensez, cher David ? Bonjour à tous, chers internautes. Je pense qu'on est un peu fébrile en ce début de match. On ne développe pas un très beau jeu. Je pense que je vais rentrer avec Pat et on va faire la différence. Ouais, et sinon, vous êtes à jeun ? Ouais. Non, pas trop. Et vous comptez faire la différence. Ok, ouais. Très bien. Merci de votre analyse technique et tactique. Je voulais saluer nos amis du FC Roy Atlantique qui sont venus nous rendre visite aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pensez de ce spectacle ? C'est un spectacle très attrayant. Hein. On voit vraiment du beau jeu. Du beau jeu ? Du beau jeu. On a failli voir un super but là-bas, mais bon. Il perd toujours 1-0, mais ça va s'arranger. Et ça, c'est parce que la sortie de Greg nous a beaucoup pénalisé. Ah bah oui, Greg, c'est le meilleur joueur de l'équipe. Et malheureusement, il s'est claqué sur une accélération à la Mbappé le long de la ligne. Et du coup, bon bah, ouais, c'est tout. Voilà. Il va se tremper, ça va aller mieux dans 3 semaines. Dans 3 semaines, très bien, merci beaucoup. Nous voilà à la mi-temps de ce match Germaine-Saint-Martin sur le Pré. Nous sommes menés 3-1, malheureusement. Jeff était titulaire, mais comme moi, il a dû sortir. Quelles sont tes impressions sur cette première mi-temps, Jeff ? Je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose, mais bon, physiquement, ils sont plus forts que nous. On n'arrive pas à mettre le pied sur le ballon, mais bon, si on s'applique un peu, il y a moyen de faire quelque chose. Il y a d'espace peut-être pour égaliser ? Oh oui, oui, largement. Je pense que Greg Pichot va rentrer en deuxième mi-temps. Greg Pichot, 1 euro. Greg quand Pichot va rentrer en deuxième mi-temps. Ah oui, non, mais lui, il est out. Greg Pichot. Ça fera 1 euro, on désolé. On met tout sur Pichot, alors. Voilà, tout sur Pichot, très bien, merci. Merci beaucoup, chers internautes. Il y en a un autre. Chers internautes, chers supporters de Germaine, ce dimanche matin, nous avons la visite de deux anciens qui sont venus nous soutenir, nous supporter et qui suivent de près et de loin nos exploits grâce au super reportage de notre JL National. Donc les gars, vous êtes un peu frais mais sympa de vous voir. Qu'avez-vous pensé de la prestation de votre ancienne équipe ? D'abord, moi je suis très content d'être venu, de voir des copains et tout, super. Qu'on voit surtout, c'est que le niveau il n'a pas changé. C'est toujours aussi faible, en plus une défaite, 5 à 2, moi, je pense que les commentaires et les notes ils vont encore être catastrophiques. Ah oui, tout à fait. Et Stéphane ? Oh ben, je dirais pareil, mais c'est une catastrophe. Ça n'a pas changé quoi. Et est-ce que vous pensez si vous étiez encore apte à jouer, vous auriez pu faire la différence ou apporter quelque chose ? Ah, il y avait déjà pas le 5e but, c'est sûr. Ah, t'aurais découpé avant. Ah. La faucheuse. Ouais. Ils posent pas des questions comme ça, ils vont te dire oui à chaque fois. Et techniquement, je pense que Laurent aurait peut-être pu apporter un petit peu dans le milieu. Que techniquement aussi dans la stratégie du jeu, tu vois. Parce que là, il n'y a rien. Mais nous, on suit la stratégie du coach. Hein. C'était un vide, un néant. Je pense qu'il a eu du mal à organiser ses joueurs. Trop de blessés. Mais avec l'âge. C'est pas l'âge, c'est la picole. Alors, il était 10. Il y a un truc qui va pas. J'avoue que les anciens de Germaine aujourd'hui n'ont pas été top. Ayrton n'a pas été dedans. Patrice n'a pas été dedans. Ils sont jamais rentrés dans le match. D'ailleurs, on se demande pourquoi ils l'ont fait. Mais bon, c'est tout. En attendant, c'est pas le jeu. Qu'on voulait le numéro 9, on ne l'a pas vu. Ça, on ne sait pas, je suis arrivé après. Il paraît qu'il y avait un attaquant au début de saison. Il était déjà blessé au bout de 2 minutes. Donc, ce qu'on voulait surtout évoquer, c'était votre présence, le clin d'œil et vous remercier d'être toujours. Je voulais dire un truc parce qu'avant, il y avait des petits jeunes qui apportaient le peps, quoi. Mais ils ont pris 20 kilos. Donc ça peut pas être. D'accord. Mais nous, il nous reste à vous remercier de votre présence parce que c'est vachement important pour nous, pour la cohésion du groupe. Et peut-être que de vous avoir vu aujourd'hui, la semaine prochaine, on va dire non, mais pour les gars, on relève le flambeau. Ah, bah voilà. C'est super. À plus tard, merci. Allez, ciao.